Et bonjour à tous, épisode 2 d'émotion alpine spécial hiver. Aujourd'hui, nous allons à la découverte de Muriel. Muriel qui est là-bas au fond. Coucou Muriel. Bonjour. Ça va? Ouais, yes. Très bien. Merci de m'accueillir Muriel dans ton superbe atelier. Je suis ravie de t'accueillir Antoine. Alors, qu'est-ce que tu fais Muriel, dis-moi. Alors là, je suis en train de terminer un trophée. Mm-hmm. Donc, sur lequel je suis en train de poser mes couleurs bleues sur mes accessoires, c'est-à-dire les fleurs, les pompons, les rubans. Voilà, donc je finalise. Il y a encore un peu de boulot dessus, mais je suis sur les petits dégradés, là, sur les rubans ici, pour avoir du mouvement, du volume en fait, en tout cas. D'accord. Alors, tu m'as dit que tu étais artiste peintre, mm-hmm. mais quel est vraiment, donc, comment tu te décrirais, quelle est ton activité précisément? Ah, moi, je dirais que je suis un artisan. Absolument, j'aime beaucoup ce mot d'artisan. Dans le fait d'être un artisan, il y a du travail, ouais. Il y a du temps passé sur des dessins, sur mm-hmm. de la peinture. Ouais. Et ce que j'aime faire avant tout, c'est, alors là pour le coup c'est un trophée, donc on n'a pas de regard, mais ouais. j'aime travailler les regards, les regards d'animaux divers et variés, que ce soit le gorille, le cerf, le mouflon, le bouquetin, voilà, je travaille un petit peu sur tout type d'animaux, et en ce moment je travaille beaucoup sur les chiens. Ouais. Les chiens, les chats, les animaux de compagnie, voilà, les gens qui ont envie de faire le portrait de leur animal préféré. D'accord, donc tu vis de ça, on est oui, d'accord. Absolument. Et donc tu m'as expliqué que c'était principalement des commandes que tu faisais ou, Non, c'est non, les deux. Je dirais que je fais à la fois, je travaille sur commande, donc notamment quand il s'agit d'animal, du chien, mm-hmm. du chat. Et puis sinon, je fais aussi des toiles et les gens passent la porte et ont le coup de cœur. D'accord. Soit pour un trophée, soit pour une vache ou un cochon, voilà. C'est un petit peu les deux formules qui marchent bien. D'accord. Donc là, aujourd'hui, tu m'as dit que tu étais sur ton trophée. Exact. Écoute, je vais te laisser continuer en même ouais. temps que tu peins, on va discuter. Mais du coup, voilà. Alors, on est toujours avec Arthur aussi qui vous filme. Là, vous voyez, ça, c'est sa caméra. Et hop, voilà, on le voit toujours là-bas. Salut Arthur. Yes. Donc, il va vous faire plein d'images de la petite boutique. On est tranquillement ici avec Muriel. Tu m'as dit qu'aujourd'hui, je vais aussi un peu m'essayer à la peinture, non? Exactement. Alors, tu vas faire, tu vois, ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire que je suis en train de faire un petit dégradé de bleu. Voilà, mmh. je pars du côté, enfin, de la partie la plus claire jusqu'à la partie la plus foncée. D'accord. Voilà, donc on va s'essayer au petit dégradé de vert. De vert? Absolument. D'accord. Ouais, je pensais que c'était parti pour du rouge et du jaune, moi. Oui, et bien on va changer. Ah, d'accord. Donc, tu m'as préparé plein de trucs ici. Alors, exactement. Là, on a un bleu. Alors, ce ne sont pas les couleurs primaires, mais ce n'est pas grave. D'accord. Les mélanges se feront de toute façon également. Mm-hmm. Donc, je te mets du bleu, je te mets du jaune. Donc, forcément, à un moment donné, on aura du vert. Du vert, puisqu'on mélange les deux. Exactement. Et je vais mettre du blanc aussi, pour avoir des couleurs un peu plus claires, un peu plus pastel. Ok. Je vois que tu es en train de sortir des peintures acryliques. Est-ce que c'est vraiment la peinture que tu fais principalement ou tu en fais d'autres aussi? Non, j'utilise vraiment que de l'acrylique. Moi, j'ai travaillé pendant longtemps à l'huile. Ouais. Et en fait, le problème que j'ai rencontré à un moment donné, c'est que j'ai fait des allergies au médium, à l'essence de térébenthine. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi ces produits-là? Alors, ce sont des produits qui permettent en fait de liquéfier la peinture, de faire des glacis. En fait, ce sont des produits qui sont assez toxiques. Mm-hmm. On utilise du white spirit notamment pour nettoyer les pinceaux. Mm-hmm. Donc ça, ce sont des produits quand même qui pénètrent la peau et qui sont quand même pas très très bons. Et moi, je faisais beaucoup de céphalées, donc voilà, j'ai changé. Je travaille maintenant à l'acrylique, mmh. et j'en suis ravie. On fait maintenant des peintures, des pigments à l'acrylique qui sont exceptionnels. Donc voilà, il m'a fallu un petit peu de temps pour m'habituer, mais mmh. maintenant, je ne changerai plus. D'accord. Bon, bah alors tu m'apprends, tu Allez. Montres ça. Donc on va faire un petit dégradé. Ouais. Donc, on va utiliser quasi la peinture sèche, hein, sans trop la mouiller. Donc, d'accord. on va peut-être partir... Allez, on va partir du blanc. Donc, tu vois, je pose un peu de blanc. D'accord. J'en laisse suffisamment. Ouais. Je vais chercher un peu de jaune. D'accord. Et je viens, en fait, à la rencontre du blanc. Je viens salir le blanc, si tu préfères. D'accord. Voilà. Et là, déjà, on a déjà un... Alors, on le voit peut-être pas forcément, parce que là, effectivement, c'est assez clair. Mais on va le voir tout de suite. Avec le bleu. Donc, je cherchais un peu de bleu. Ouais. Je le positionne un peu plus bas. Ouais. Et je viens à la rencontre du jaune. Voilà, le but du jeu... C'est de faire un joli dégradé. Hein. C'est de s'amuser à faire un joli dégradé. Super. On essaye de faire ça? Allez, on essaye. Allez. Attends, bouge pas. Hop, voilà.
Alors, en même temps que je fais, est-ce que tu peux me raconter depuis combien de temps tu es ici? Oui. Et depuis combien de temps tu fais ça? Oui. Et même aussi, depuis combien de temps tu as envie? Alors, moi, je suis à Saint-Gervais depuis une dizaine d'années à peu près. Ouais. J'ai toujours peint et fait de l'artisanat depuis toute petite en fait. Ouais. Mais c'est vrai que pendant très longtemps, j'ai fait ça en plus d'une activité professionnelle. Parce que c'est compliqué quand même de vivre de son travail de peintre. Donc ouais. Voilà, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai été factrice, j'ai travaillé dans un magasin de jouets, j'ai travaillé dans des centres de vacances où j'accompagnais les gens en ski de fond, en raquette. Je leur faisais découvrir le milieu montagnard en fait. D'accord. Et en parallèle, je peignais, voilà, je faisais pas mal de choses. D'accord. Alors là, je suis en train d'appliquer le jaune en même temps. Ouais. Vas-y, un petit peu de bleu. Tu viens le poser un peu plus loin et tu viens à la rencontre du jaune. Possible, mais tu peux sécher ton pinceau, tu vois. Tu descends un peu. Ouais, je l'ai mis 10 fois trop. Enlève du bleu. Tu vois, tu viens nettoyer ton pinceau là, sur le papier. Bord. D'accord. Et puis tu viens à la rencontre du jaune. Question, est-ce que tu fais des initiations souvent comme ça à des gens ou pas? Je l'ai fait longtemps. J'ai fait des ateliers plastiques pendant de longues années. C'est vrai. Et c'est très très sympa, mais c'est vrai que là, j'ai pas le temps. Ça prend beaucoup de temps de donner des cours. On me le demande souvent. J'y viendrai certainement. J'y reviendrai parce que c'est très sympa. Parce que t'aimes bien, quoi. Et ouais, le contact, la transmission, c'est vrai que c'est vraiment très, très sympathique. Je suis en train de mettre du bleu dans le jaune. Ah, bah, même dans le blanc. C'est pas grave. Attends, ça fait des choses. Un peu de blanc. Ouais, tu peux revenir avec le blanc. À force, je vais mettre des couches de peinture, là. Mais c'est possible. Mais c'est ça aussi. Hein. Quand on fait un tableau, on travaille par couches. Attends, j'attends que la caméra passe sur moi. Voilà, là ici et là ici. Moi, je vois. Alors, c'est ça que tu peux essayer d'estomper un petit peu aussi. Alors, comment je fais? Parce que maintenant, j'ai le pinceau avec toutes les couleurs du monde. Alors, tu peux rincer ton pinceau et le sécher. Je le rince voilà. Et je le sèche. Tu le rinces et tu le sèches. Voilà. Ok. Normalement, laisse sécher, tu vois, pour revenir par-dessus. D'accord. Et là, vas-y, mets de l'eau, tu vas t'amuser. Ça va te faire des choses un petit peu étranges. On va voir. Je pense qu'en plus, l'eau maintenant, elle est verte, donc. donc, ça va être encore pire. Tu peux faire des gouttes d'eau. Et les gouttes vont en fait. Expulser la peinture sur l'extérieur, ça peut faire aussi des effets assez sympathiques. Alors, au bout d'un moment, trop d'eau, ça peut poser problème parce que ça arrache le papier, en fait, ça fait des taches. D'accord. Donc, il faut faire attention à ne pas mettre trop d'eau non plus. On est déjà à 13 minutes du direct. Je pense qu'on peut conclure cette œuvre magnifique. Là-dessus. Hein. Je vais la signer, je vais l'emporter. Tu peux. Je vais essayer de signer avec la pointe du pinceau, mais c'est pas fait pour. Ah! Ouais, c'est bof. Hein. c'est très bof. Ça va. Je l'ai signé. Allez, on va dire que c'est fait. Super. Hop. Donc, je nettoie le pinceau après. Tu peux laisser. Je laisse comme ça? Le temps que nous discutions, c'est pas très gênant. Oui, oui. Ok, d'accord. Je les rincerai après. Oula! Eh ben, c'est fait. Cette histoire, non mais... J'ai réussi à faire un dégradé de couleur. Alors, Muriel. Oui. Hop là, bonjour, rebonjour tout le monde. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu en même temps une journée type pour toi ici à l'atelier? Oui, bien sûr, j'arrive. Alors ça dépend, c'est vrai que j'ai des horaires sur la porte parce que l'atelier est ouvert au public. Mm-hmm. Donc mes horaires, j'ai mis entre 10h et midi et 15h et 18h actuellement puisqu'il y a le couvre-feu. Sinon c'est 19h. Mais c'est vrai que je fais souvent des journées continues, c'est-à-dire j'arrive à 9h. Je mange souvent sur place et puis je repars assez tard. C'est un métier passion. Mmh. Donc, des fois, il est difficile de décrocher pour aller manger, quoi, je dirais. Donc, comme ce midi, par exemple. Voilà. On te l'impose un peu, mais... C'est souvent que je reste. J'aime beaucoup. Quand je démarre une toile, l'idée, c'est d'avancer le plus possible. Et c'est vrai que j'ai des fois des difficultés à m'arrêter... À midi, quoi. Tu sais quoi, bah, je vais te laisser continuer un peu. Allez, parce que je continue. Là, ça fait deux fois que je t'interromps, quand même. Hop. Et on a envie de voir un petit peu ce que tu fais. Parce qu'effectivement, du coup, vous avez vu mon dégradé. Mais alors là, celui de Muriel, c'est vraiment une autre histoire, quand même. Eh bien, disons qu'il faut donner du volume aux fleurs, du volume aux rubans. Donc, c'est vraiment important de jouer sur les différentes nuances, en fait. Et surtout, je vois que malgré la lumière que tu as mis, tu as réussi aussi à créer une ambiance lumineuse dans ton tableau. Et alors, tu le fais dans la plupart de tes tableaux, d'ailleurs, on voit toujours d'où vient la lumière. Là, en ce moment, je travaille beaucoup les fonds noirs mat. Ouais. Et dès
que l'on travaille après avec de la couleur bien, bien franche, bien vive, ça donne une luminosité assez incroyable. C'est vrai que c'est des choses que j'aime bien faire en ce moment. Vraiment travailler les fonds noirs, profonds, et faire ressortir la tête de l'animal, ou là, en l'occurrence, le trophée. Et après, je dirais que moi, l'acrylique, j'aime bien ce côté... alors, même si je lèche beaucoup ma peinture, je l'étale énormément, mm-hmm. j'aime bien le côté onctueux, en fait, mm-hmm. de la peinture. D'accord. La même chose, d'ailleurs, avec l'huile. Il y a ce côté aussi onctueux, très sympa, que je retrouve avec l'acrylique. Ouais, c'est ça. Super. Alors, dis-moi, Muriel, où est-ce qu'on peut te retrouver maintenant si on n'habite pas à Saint-Gervais ou qu'on ne peut pas s'y déplacer ? Ouais. Comment on peut retrouver tes œuvres aujourd'hui ? Alors, on peut me retrouver sur les réseaux sociaux, mm-hmm. Notamment sur Facebook, Muriel Mollier-Piré, artiste peintre, mm-hmm. sur Instagram, Mimimopi. D'accord. Et sur la page également, c'est local Saint-Gervais. On a créé une page avec l'Union des commerçants, ouais. où tout le monde est présent. Tous mm-hmm. les commerçants et artisans et artistes de Saint-Gervais sont présents, mettent leurs œuvres ou leurs produits. Voilà, on peut la trouver en tapant simplement Saint-Gervais. Tout simplement. C'est local Saint-Gervais, pardon. Ok. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À très très bientôt du coup pour Émotion Alpine, donc vendredi. Je vous dis pas encore qui c'est, mais ça va être vraiment trop cool. Je peux vous donner un petit indice si Arthur, tu veux bien aller filmer le tableau qui est juste en face de moi. La chèvre, c'est ça ? Ouais. Allez, je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup et à très bientôt.